Donc moi j'ai déjà fait une campagne municipale, c'est ce qui fait que je suis élue d'opposition à Angoulême. Une campagne qui a été assez malheureuse parce que la gauche était très désunie, même si je suis allée sur cette liste moi parce qu'elle représentait quand même un début d'union. Il y avait Europe Écologie, le PC, Génération. Ça me semblait être déjà un début de rassemblement, mais évidemment pas à la hauteur des attentes, je pense, de toutes les personnes qui sont de gauche, quoi, qui ne rêvent que de ça pour l'année prochaine. Donc je pense que tout le monde commence à avoir un peu la boule au ventre en se disant est-ce qu'ils vont en être capables ou pas, quoi. Vous avez pris la décision de vous présenter au départemental quand alors? Parce que de cette expérience des municipales est né un groupe de citoyens, citoyennes engagées, pas de gens politisés dans le circuit des partis depuis trop longtemps. Et on a eu envie de porter un peu cette voix différente, de se dire que c'était sans doute possible d'avoir une autre approche, de parler autrement aux gens aussi. Et après, pourquoi le département? Parce que les régionales ne m'auraient pas intéressée. Le département, c'est un échelon qui me semble essentiel et que personne ne connaît, en fait.